Et salutations YouTube, bienvenue pour cette septième et dernière VOD enfin sur Little Nightmares. Bon, je suis enfin, c'est que la septième VOD, hein. on peut pas dire que c'était non plus un, un let's play extrêmement long. Euh, on est toujours bien sûr en direct sur Twitch, on va donc s'attaquer aujourd'hui au dernier DLC de ce jeu. Euh, après le dernier qui, faut l'avouer, avait été pas mal pénible, parce que voilà... Euh entre noms, la perspective aussi, qui est toujours aussi un peu relou dans ce jeu, bah ça m'a un peu saoulé. Donc, quelque part, c'est vrai que je ne suis pas si mécon. Enfin, en soi, j'aurais bien aimé finir le jeu déjà la dernière fois, hein, bien sûr, lors du dernier stream, mais euh, en soi, j'en avais un peu marre aussi. Mais là, cette fois, je suis un peu plus chaud. Je suis chaud pour finir ce jeu. Et donc, euh, démarrons dès, dès, dès maintenant ce dernier DLC qui s'intitule euh, La Résidence, si je ne dis pas de bêtises. Après les profondeurs et la cachette. Euh, donc là, on devrait de nouveau avoir affaire à la fameuse dame que l'on vint évidemment à la fin du jeu de base, hein, je vous rappelle. Et on avait commencé, euh, on va commencer donc au-dessus de l'ascenseur, le même qu'empruntait la dame, je crois. Je crois que c'est comme ça que finissait le, le dernier DLC. Et puis allons-y, hein, on contrôle toujours notre petit garçon. Voilà, confirmé par Rémi donc c'est parfait. Donc déjà, on va aller dans le petit conduit qui est juste à droite. Cette fois, je vais éviter de trop regarder le chat parce que c'est vrai que c'est souvent à cause de ça souvent que je crève. Donc, au passage, aussi, on a appris la dernière fois qu'en fait, les gnomes, euh, bah, c'est ré... la réincarnation en fait, des enfants. Euh, on a pu voir leurs ombres qui étaient euh, qui trahissaient le fait que c'était des gosses, hein, tout simplement. Euh, du coup, au passage, on sait que quand Six avait bouffé un homme dans, dans le jeu principal, on peut dire que techniquement, on avait bouffé un gosse. Quoi. Voilà, quoi. Ce, ce jeu est sympathique, vous hein, <laughs> l'aurez compris. Donc ça, ça fait un peu flipper quand même. Ce dernier DLC, moins chiant que le précédent, euh, bah écoute, je veux bien te croire, hein, j'espère que ce sera le cas. Euh, et d'après Arix, le, la fin de ce dernier DLC est pas mal. Un ben, genre, ça, euh, ça tient en haleine un peu quand même. Donc j'espère aussi que ça va être. Euh, ça va valoir le coup. Alors on va fouiller un peu. Donc on a déjà cette pièce-là. Alors là, euh, c'est la... M... Ah, c'est là je reconnais, ça c'est la porte de l'ascenseur, donc c'est là que commençait à la base le dernier chapitre de l'aventure principale. Euh, en vrai, je suis très curieux parce que là, norma normalement, ça tout se passe toujours en même temps que l'aventure principale. X, elle, euh, elle fait ses trucs de son côté. Euh, après, je ne sais pas si c'est là, si c'est un peu après, un peu avant. Enfin, là, logiquement, je pense que c'est peut-être un peu après. Donc, ça va être intéressant en tout cas à suivre. En tout cas pour le moment on se promène. Euh, je sais même plus d'ailleurs d'où je viens, c'est ça qui est incroyable. On peut aller encore plus loin, donc on va y aller sans plus tarder. Oh Et eh bien, elle était là. <laughs> elle était là, je m'étais pas du tout préparé à ce qu'elle soit là. C'était un peu la surprise. Ok, ok. Euh, J'ai eu le temps de voir aussi qu'il y avait une clé. Dead. J'ai eu le temps de voir qu'il y avait une clé sur le, le meuble à côté euh, d'elle. Donc, euh, déjà, il va falloir qu'on arrive à la soutirer, cette clé, euh, sans qu'on se fasse choper. Euh, donc, elle, bien sûr, c'est pas comme les personnages classiques. Hein. Euh, non, dès qu'on se fait repérer, c'est voilà, la mort directe. Hein. Euh, donc, on va essayer d'y aller un peu plus doucement cette fois. Là, on peut voir la clé qui est sur le coussin euh, à gauche. Un peu avant la fin de l'histoire principale. Ok ok. Euh, je sais pas trop comment... Bah c'est certainement dans cette pièce-là qu'on va pouvoir faire euh, peut-être quelque chose pour euh, faire diversion peut-être. Déjà il y a cette lampe. <laughs> je, sais pas, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de faire ça, mais. <laughs> ok. Oh là là, c'est immense, c'est immense. Alors il y a plusieurs lampes. Il y a un truc qui se trouve tout 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 en haut aussi. Incroyable. Ah, qu'est-ce que tu veux toi Il y a encore des gnomes de cachet. Incroyable. Euh, bah, on va commencer par aller euh, au premier étage, hein, moi je dis. Alors là il y a une échelle, alors est-ce qu'on peut la déplacer cette échelle Qu'est-ce qu'il fait D'accord, il était bloqué, pourquoi pas. Voilà. Comme ça déjà en faisant ça, on va pouvoir euh, escalader tout en haut. Euh, donc ça c'est fait, je vais quand même faire le tour de l'étage. Là au bout il n'y a rien de, de spécial, donc on va y aller. Qu'est-ce que ça fait si je l'enlève ça Ah. D'accord. Donc là, ça fait abaisser le plafond. Euh... Ok. Est-ce que c'est juste un piège Est-ce que je dois faire quelque chose pour réussir à à désactiver le piège peut-être je me souviens d'un truc relou, mais c'est plus loin et en vrai depuis le début tu t'en sors assez bien donc ça devrait le faire. Bah écoute on verra. Parce que genre si je le balance à sa, à sa tronche, ouais non on peut pas. Bon on va le remettre en place. Euh, puis on va voir ça si peut-être pas genre un passage caché qui nous permettrait peut-être euh, de nous permettre de nous en sortir. à moins que cette pièce encore une fois soit juste un piège hein, évidemment. Je vais retenter le lancer. Mais euh, non, ça sert à rien, d'accord euh, Ouais, je suis un peu, un peu sceptique. <laughs> on va pas se mentir. Aïe, je me cogne euh, la main sur le bureau, tout va bien. Bon, on va se barrer d'ici parce que j'ai pas l'impression qu'en en fait il y a quelque chose de vraiment important. Ça se trouve cette pièce, ça sert absolument à rien. C'est juste pour. Euh... Euh, tu veux pas grimper, s'il te plaît voilà. Ça se trouve, cette pièce n'a aucune importance. Hein, donc, euh... donc voilà. Alors, il y a un levier à gauche. On va essayer d'y aller comme ça. Hop. Bon, en fait, je peut-être je peux y aller aussi comme ça, vous me direz. Ok, donc ça allume ce truc. Alors là, ok, donc si, si ça, c'est le cadenas pour la clé qu'il y a en bas, euh, on, va, on peut en chier, hein, je vais pas vous mentir. Là il y a un, un œil ah oui d'accord genre il se referme dès qu'on le pointe ah mais ça se trouve c'était juste ça il faut que je fasse genre euh, la, la figurine qui est en bas fallait juste que je pointe ma lampe torche en fait sur l'œil ok là il est bloqué et là ça se trouve le rayon de lumière pareil faut euh, genre euh... Il faut peut-être parvenir à le mettre jusqu'à l'œil pour qu'il bah, soit aveuglé. Ce qui est toujours en lien du coup en fait avec le fait que la, la, la dame il fallait la vaincre justement avec un miroir pour faire réfléchir la lumière dessus en fait. Donc il y a vraiment un délire avec ça en fait. Euh, par contre, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand chose avec ça, parce que la, la, la manette, on va pas se mentir. Ouais. ouais non, il est un peu bloqué le machin, on va pas se mentir. Hein. On va le refaire bouger encore une fois. Ah, cette fois, il n'y a que celui-là qui a bougé. Ah, ou alors peut-être qu'en fonction de la position du levier, il n'y en a qu'un seul qui bouge au lieu de deux. Ouais, c'est ça, d'accord. Il ah, y a vraiment une énigme avec ça, quoi. La vache, la vache, la vache. Donc là, c'est les trois qui bougent de ce fait. Alors attendez. On est d'accord que si je fais ça, il n'y a que celui-là qui bouge, on est d'accord. Oh, C'est chiant par contre de se mettre pile en face du bouton. Ok. Bon, on va le remettre comme ça déjà. On va laisser le levier en position milieu. Cette fois, il n'y a que celui-ci qui bouge, ouais. Oh lolo, ça va être euh, la galère ce truc. Mais hein. ça je vous avoue que c'est typiquement le genre d'énigme que j'aime pas trop. Ah attends, il y a peut-être moyen de faire... Euh... J'ai peut-être réussi à faire quelque chose là. Attendez, attendez. Ah putain, j'avais pas vu les différents yeux. Il y, y en a plusieurs en fait. En haut à gauche et en haut à droite. Ah oh, la vache. Ah le con, j'avais pas fait gaffe. Donc c'est ça, faut vraiment les positionner correctement. Quoi. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc là c'est celui-là qui est aveuglé, on va dire. Bon, tant que j'y voilà, tant que j'y suis, euh, j'essaye de faire cette énigme-là, hein, les amis. Ah, ça c'est pas mal, par contre, c'est ce, qu ce que je viens de faire. Ou pas <laughs> je... je sais pas, mais je sens quand même que, que cette énigme-là, je vais passer beaucoup de temps, de... De temps là-dessus. Bah, bah non, celle-là, elle sert à rien. Ça, c'est juste pour. Euh... Bah non, ça n'atteint même pas l'œil qui est à droite. C'est quoi cette affaire Euh ouais bah j'y suis presque, j'y suis presque. Ça se trouve l'œil qui est à droite, c'est peut-être même pas celui qui est concerné, hein, c'est peut-être juste celui qui est au centre en fait. Sinon bah je sais pas. Ouais. Ah putain là j'en ai déjà deux là ouais donc en fait c'est que ceux qui sont là ou qui sont on va dire concernés quoi euh, je vais tenter ceci Ah ah attendez là je suis je suis peut-être bon là Et si j'éclaire celui qui est à droite Et bah voilà. Donc ouais, on y arrive à un moment donné. Alors ça c'est quoi C'est un ascenseur bon. On a ouvert une porte, donc déjà, euh, c'est déjà bien. Allez Voilà quand même. Euh, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, c'est un ascenseur pour descendre. C'était bien ce que je me disais, donc. Euh, donc pour le moment on pas touche. Alors on a des statues. Très bien. Une pièce, on a plein de tableaux. Au cas où on va y aller doucement dans la pièce suivante, au cas où il y a l'autre dame qui y soit. Euh, oula, d'accord, là il y a des tableaux, il y a plein de boutons, alors là ça craint. Et bah putain, si ça c'est censé être des gosses, bah vous avez de, de sales gueules. Hein. Comme tous les persos du jeu, hein, j'ai envie de dire, mais bon. Ok, donc là, il y a encore une autre énigme qui nous attend. D'accord. Donc, il faut certainement allumer les bonnes lumières, j'imagine. Alors là, comment tu veux identifier ceux qui sont bons Là, franchement, j'ai envie de dire... Euh... Sinon, au pire, je les allume tous hein, dans un premier temps. Ah! Donc, visiblement, il y a un ordre. Et si tu fais pas le bon ordre, du coup, elle s'éteigne automatiquement. On va le réessayer. Je crois que c'est un ordre de 4 ou de 5. Parce que c'était au 5ème, du coup, qui était. Euh, voilà, que tout s'était éteint. Euh, ouais, bah là, par exemple, pour euh, savoir dans quel ordre c'était. Alors, je sais pas si c'est en lien avec un truc qui était avant dans le jeu. Mais là ça me paraît un peu compliqué, ou alors peut-être que c'est dans la pièce d'avant qu'il y a des indices. On va essayer de regarder. Ouais, déjà sur les tableaux, on reconnaît les mêmes formes. Enfin les mêmes photos des, euh, de ces horribles enfants. Euh, par contre, je vois rien qui m'indique potentiellement un ordre. de regarder mais euh... je vois rien de spécial personnellement ou alors faut juste regarder lesquels sont euh... faut juste retrouver les bons dans ce cas là il n'y a peut-être pas d'ordre en fait hein. Parce que dans ce cas là le gros la gauche je le reconnais il était dans la pièce d'avant euh... je pense qu'en fait c'est juste ça hein. Bon, on va déjà aller faire celui-là. Et puis on va essayer de, 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 de... de faire les autres au fur et à mesure. Euh, je crois que... Il était où le gros Il n'était pas là Ah si, voilà. Donc lui, il était là, ça c'est sûr. Il est un peu en surpoids. Les frères marteau obèses, on s'en souvient. Ok, donc lui, c'est bon. Euh... Je suis quand même allé rem remater là les, les, les tableaux. Alors la fille moche là, ok. Oh, ils sont vraiment tous des, de, des têtes de vainqueurs, c'est dingue. Il euh, y a l'autre avec euh, les yeux noirs et la bouche. Là. Ouais, ok. Lui, on dirait qu'il a pas dormi depuis trois ans. Une grosse poufiasse. Non, je déconne. Toi, jamais de la vie. Euh... <laughs> ok. Bon, on va essayer de les retrouver hein, dans, les, dans, les, dans les tableaux d'à côté. Hein. Alors, euh, lui... Bah, je crois qu'il y était aussi. On va reculer un peu, sinon ça va pas le faire. Voilà, si vous voulez revoir le clip, eh, exactement. C'est avec Jonathan en plus qu'on a vécu ce moment. Tu t'en rappelles pas, mon cher Joe Alors, la grosse poufiasse, <laughs> elle y est. Euh, donc elle c'est sûr. Ah il y a aussi celui qui n'a pas dormi depuis 3 ans. Donc ça c'est bon, ok. Et il y a le vieux moche aussi. Donc attendez, on va déjà faire les... ces trois là. Euh, toi, j'appuie. S'il veut bien appuyer sur le bouton, s'il te plaît. Voilà. Toi aussi. Et le gros moche, il est là. Donc, logiquement, si je suis ma logique, il y en a encore un que je dois trouver. Donc, il reste qui Ah, bah attendez, bah, je crois que c'était lui. On va essayer. Voilà, c'était ça tout bêtement. Let's go. Tout bêtement. Bon, qu'est-ce qui se passe Ah, encore une figurine. En mon avis, genre, il y en a plusieurs à trouver il les faut tous pour aller à la fin. Quoi. <laughs> je pense que c'est ça le délire. Je monte dessus, je pense qu'il n'y a rien de spécial en vrai. Ok, ok. Bon, je me doute qu'il va se passer un truc. J'ai peur, mais on va voir. Ah, shit. Non, j'ai pas eu le temps. <laughs> bon, en fait, je suis con. J'aurais dû tout simplement aller en bas de la, de la, du piédestal. Il y avait de l'ombre. Pourquoi, pourquoi je me suis fait chier à aller sur le côté C'est ce que j'aurais déjà dû faire. En plus, c'était pas, pas comme si l'ombre était largement visible. Quoi. Ah bah tiens, rejo. Voilà. Puis après, il y a juste à, à se barrer de la pièce. contre, ah, il faut ouvrir la porte aussi. Ah non, c'est bon. D'ailleurs, rejo, il faudra que tu vois dans les MP avec Lit, mais. Euh... Je lui ai répondu concernant le truc qu'on devra faire plus tard à, à, à plusieurs. Euh, si tu parles des photos de, de, du, du petit chaton, franchement c'est très très classieux. Très très stylé, on va pas se mentir. Non, franchement, c'est super propre. Bon allez, moi je m'en vais. Euh, du coup, ces trucs-là, il faut les déposer quelque part, je me doute. Mais euh, où ça Ça se trouve, c'était dans cette pièce-là qui est à gauche, mais. Euh, J'ai peur, en fait, de les emmener quelque part où il faut pas. <laughs> bah, au pire, je veux juste que tu me backsites sur ça, Rémi. Euh, les, 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 les statues, où je les amène, nous, en fait. Je t'autorise à me backsite sur ça. Bah, tant mieux si t'es satisfait de ton achat, c'est quand même le but. Faut les amener vraiment tout en bas Donc, euh, c'est pas grave hein, si vraiment je les fais. Euh... Bah, du coup, euh, l'ascenseur va servir à ça. Je suis bête. Ça se trouve, effectivement, il y avait un endroit. Il y a une pièce à gauche, où tu pourras les poser. Euh... On va aller tout en bas, déjà. Mais à gauche, c'est là où il y a la, la dame. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu en fait. À droite, ok, à droite. Par contre, du coup, je vais toujours pas aller récupérer la clé hein, de. De la dame. Il faudra que je trouve un moyen de faire ça, mais je sais pas comment tu vas. Comment je vais pouvoir détourner son attention. C'est ça le souci. Ah oui, effectivement. Alors non, c'est pas bon. Triangle, donc c'est ici qu'il faut le poser. Voilà. Et visiblement, il faut que j'en trouve encore une, deux. Ok. Alors il y en avait une qu'on avait vue là-haut, c'était le piège avec le plafond qui s'abaissait. Je pense que là j'ai juste en fait peut-être à juste euh... Euh, on va dire euh... aveugler l'œil pour que le piège peut-être se désactive. Du coup je vais aller faire ça déjà. Faudrait que je m'achète un objectif avec un flou d'arrière-plan plus prononcé et je vous enverrai d'autres photos, vous serez encore plus bluffé. Yes, j'ai hâte de voir ça. <laughs> c'est pas grave Rémi, c'est pas grave. Donc celui-là c'est le carré. Donc on va l'enlever. Et... Bah ça marche pas Bah non ça marche pas. Il n'est pas affecté par la lumière. T'inquiète j'ai vu avec l'it. Yes. Parfait, parfait. Ça va être bien cool. Euh, donc la lumière, ça ne marche pas. Dommage, j'aurais bien voulu tester. Euh, ok, ok. Bah, je viens d'avoir la réponse euh, de Lit, mon cher euh, Jonathan. Donc euh, comme ça, euh, c'est bon pour nous trois. Euh, bah, du coup, qu'est-ce qui pourrait marcher Parce que là, l'œil, euh, bah, il veut pas. Il hein. faut, faut, faut être sérieux aussi. Hein. Non, enculé, va Désactive-toi <laughs> Non, en vrai, par contre, je sais pas. C'est bizarre quand même. Je pense avoir trouvé une solution, mais. Euh... Alors, certes, il y, y a des traces de, de partout là en dessous, mais. Euh... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait Là, je comprends pas. Sincèrement, pour cette pièce-là, je comprends pas. Je pensais avoir compris, mais finalement, je comprends pas. <laughs> euh, bon, je pense que je vais aller m'occuper de la clé, hein, dans ce cas. Putain, mais comment t'es bloqué, là Mon ref. Il y a un moment, euh, il y a un moment, gamin, il va falloir arrêter. Euh, D'ailleurs, j'y étais allé à droite. Bon. Euh, une chose à la fois, sinon je vais être perdu. Objectif clé. Mais alors là, la, la, la meuf, comment tu veux que je, je puisse euh, trouver un moyen de détourner de de son attention, quoi euh, Bah, je suis pas allé à droite au premier étage, mais euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer de, de, de choper la clé, quoi. Mais ça se trouve, je peux peut-être pas la trouver, enfin peut-être la prendre tout de suite. Bah le skin pour Fallen Kingdom. Ah oui d'accord, genre même en, en, en rampant à côté d'elle, genre elle détecte ma présence quoi. Bon bah je pense que c'est mort pour aller récupérer la clé maintenant. <laughs> voilà, et puis il a dû te l'envoyer en MP, euh, bah comme pour nous tous, quoi. Les royaumes oubliés, incroyable. Euh, bon, normalement, euh, voilà, la statue que j'ai déjà posée, euh, elle est sauvegardée, il hein, n'y a pas de souci. Mais je comprends toujours pas le délire pour la statue avec le plafond qui s'abaisse. Par contre, hein. là vraiment, je ne sais pas. Alors, on a une échelle ici, ouais. Euh, bah là, je peux pas grimper, il faut que je la déplace. Voilà. Allons-y, allons-y. La bah, grimpe, voilà. C'est un effort, euh, mon vieil ami. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore Quand une fois j'aurais dû le mettre en, en vibreur. Euh... Ouais, bah ça m'amène nulle part en fait. <laughs> C'est mignon, mais ça m'amène nulle part. C'est peut-être pour après, du coup. Ouf. Bon ça, je suis pas mort. Coucou Alicia, comment vas-tu J'espère que tu vas bien. j'assiste à la fin de ce jeu ce soir. Euh, oui ce soir. Non, n'est pas le soir encore, mais voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as pu voir euh, le reste des VOD quand même. Bon, là après, évidemment, comme c'est le dernier DLC et que les, les VOD des autres DLC sont pas sortis, à l'heure alors, euh, alors qu'il est, euh, voilà. Mais euh, en tout cas, j'espère que, ce que de, du peu que tu en as vu euh, actuellement, tu apprécies le jeu. Euh, donc, il y a des livres, il faut certainement les foutre. Ah, attendez, attendez, attendez. Il faut regarder les, les dos des couvertures. Euh... Bah, Je crois que celui-là, c'est celui qui se met là, non? Pas du tout. Euh, où est-ce qu'il y a des livres qui manquent aussi Regardez. Ou alors il y en a juste un, il faut trouver le bon. Dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt celui-là, je pense. Quoi Ou alors c'était le livre qui est là-haut, qui était le bon, peut-être Je crois qu'il y avait un livre là-haut. Je vais, je vais retourner voir. Je crois que c'était ça en fait. Et bah c'est nickel Alice, j'espère en tout cas que ce que tu en as vu ça va, t'apprécies quand même le jeu. Même s'il faut l'avouer que c'est quand même très particulier. Ouais c'était ça, d'accord. C'était ce livre-là qu'il fallait trouver ici et donc faire tomber en bas. Youhou Ok, bon ça va comme ça, on se casse pas trop les, les pattes. Euh, le livre il est là, on va aller le placer là-bas. Et puis voilà, voilou. D'accord. Ah, j'avais pas vu. Donc, c'est si il faut bien compléter avec tout le, tout le reste. Euh, Celui-là, il va là, du coup. Euh, où est-ce qu'il y a d'autres bibliothèques que je peux compléter Là, il y en a une. Et je crois que c'est bon. Bon, ça va, bon, c'était... fallait bien observer, mais euh, on a vu le pire, quoi. Wesh. la pousse. Voilà, on pousse, comme à l'accouchement, on pousse. J'ai bien aimé le jeu, même si c'est particulier. C'est vrai que c'est très particulier, faut aimer. Mais bon, si as pu apprécier quand même. Ouais. C'est cool. Et euh, bonjour, euh, ma chère Alex. Qui euh, visible... qui a qui est quand même là hein. je sais pas si tu profites peut-être de quelques moments de, de pause parce que tu, je crois que tu travailles aujourd'hui hein, normalement mais en tout cas ça fait plaisir de te voir même si c'est peut-être pour quelques minutes seulement et puis bah écoute bah ça va très bien ça va extrêmement bien je suis en train de chercher des statuettes pour le fun donc là c'est la deuxième hein. la troisième je sais où elle est mais euh, c'est juste que je sais pas comment la récupérer euh, donc ça, c'est le truc un peu pénible. Mais on, va, on va essayer de trouver. On va essayer de trouver. Cette perspective, elle m'aide pas, hein, décidément. Allez, hop, on retourne en bas. Oui, je travaille, mais tranquille, tu joueras à TR6 pour moi. Oui, t'inquiète pas. On jouera à TR6 tout à l'heure. Il y aura l'ardif, hein, et puis... Euh, et puis voilà, comme ça, tranquille. Donc toi tu vas prendre ta place ici. What C'était carré pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel faut qu il... Ah, faut peut-être que je la mène dans un sens particulier. Non, c'est pas ça. Ou alors il y a une autre euh, trace pour euh, une figurine que j'ai pas vue. Ou alors ça se trouve c'est une fausse que j'ai et ni bien méchante ouais bah faut vous trouver par contre, pourquoi elle veut pas s'activer celle là c'est un peu bizarre cette affaire bon ce on va la laisser là mais c'est bizarre que la plateforme ne s'élève pas euh euh, la figurine devant l'œil il me semble... Alors il y en avait une, ouais effectivement, avec l'œil, mais sauf que je sais pas comment tu euh, sais sortir de cette pièce euh, sans se faire écraser par le plafond. C'est vraiment une figurine fake que j'ai trouvée, c'est quand même... Euh, c'est vraiment le jeu qui te troll, mais puissance 15 quoi. Franchement, si c'est ça, c'est honteux quoi. Ah oh, putain, pas con. Ah oh, putain, mais oui, il fallait y penser, mais oui. Parce qu'effectivement, les deux, elles ont la même forme. Le pied, des... enfin, le pied de la statue, c'est la... la même, c'est un carré. Mais oui, j'aurais dû y penser. Mais oui, mais oui, c'est ça, totalement. Mais je lis le chat. Arrête de te plaindre que je ne lis pas le chat. La preuve, je le lis. Sinon, j'aurais pas pu, euh... j'aurais pas pu trouver. Hein. Clairement, ouais, j'aurais mis 15 ans à comprendre qu'il fallait changer les statues, alors que oui, bah oui, c'est évident en fait. Totalement, hein. là pour le coup, euh... merci encore une fois à toi, Arix, ah, parce que là, waouh! Ah! Je n'aime pas beaucoup ça. <laughs> Donc allons-y, on va emmener celle-ci dans cette pièce. Mais oui, c'est tellement évident en plus. C'est vrai que celle-là, bah, elle a clairement pas la même couleur, quoi c tu sens que c'est fake. <laughs> Et voilà! Enfin bref. Oui il y a un écart mais je, je, je lis quand même, t'inquiète pas, je lis quand même. J'essaie juste de pas lire quand la situation, on va dire, est un peu tendue parce que je sais que c'est souvent en lisant le chat <laughs> à ces moments-là justement que je que je peux, on va dire, mourir bêtement. On l'a vu déjà plusieurs, à plusieurs reprises au cours de ce let's play. Mais là ça va. Bah là, du coup, le seul objet qu'il faut que j'arrive à retrouver, euh, enfin à récupérer, c'est la clé, là, qui est dans la même pièce que la dame, là. Ah, la lumière disjoncte, super. Donc il en reste encore une. Euh, je... Bah, la seule pièce encore qu'on n'a pas visitée, c'est celle qui est tout en haut, mais il faut la clé. Ah, ok, donc là, il n'y a plus de lumière du tout. Je pense que c'est un signe pour nous dire qu'il faut y aller. Euh... D'accord, il y a... y a quelque chose qui se déplace, tout va bien. Et c'est. Ah, j'ai cru que c'était fermé pendant deux secondes. Euh, Est-ce que t'es toujours là, toi Ah, elle n'est plus là. Alors, ça, ces trucs-là, va peut-être falloir s'en méfier parce que ça va peut-être vouloir nous tuer aussi. Donc, je pense qu'à certains moments, il va falloir qu'on fasse gaffe à bien s'éclairer. Oh putain! Ouais c'est ça. Mais non, il a pas voulu disparaître le con. Oh, il me gonfle, ça y est il me gonfle déjà. Oui je sais que je peux viser avec la lampe torche, mais il a pas voulu disparaître cet abruti de. Non non non, eh, oh, non 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 mais, mais non mais non, mais non mais non Arrête de te foutre de moi le jeu là par contre. Arrête d'être, te... arrête de te foutre de ma gueule. Il y a un moment il y a des limites quand même. Voilà, toi tu dégages. Voilà, chez... Si vous voyez un terroriste armé jusqu'au don, avec des armes à la main, eh bien méfiez-vous. C'est un conseil, un conseil d'amis que je vous donne. Mais oui. ils veulent pas, ils veulent pas disparaître. Ils veulent pas. Ils veulent pas ces abrutis là. Là c'est du forçage à ce moment-là quoi, à ce niveau-là quoi. Bon attendez, on va jeter cette clé plus loin. S'il va falloir que je l'amène là-haut, bah je vais, je vais bien m'amuser, hein, putain. Hop, je jump. On va essayer de s'éloigner. Mais regardez Il faut vraiment en fait, que j'arrive en, fait, en... En... en focus sur... sur un et il m'a chopé 1 euh, ça passe mais 2 c'est juste pas possible hein, parce que le problème c'est qu'ils mettent un certain temps à disparaître donc t'es obligé de rester euh, focus sur eux avec la lumière et en même temps il y a l'autre qui te casse les burnes quoi c'est ça le souci quoi alors attendez, on va essayer peut-être de, de, de se les faire d'en bas. Je peux pas essayer de. Ah non, il veut pas. Je peux pas baisser la lampe torche vers le bas. Ça me saoule, ça me saoule. Non, 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 tu m'auras pas cette fois. Mais. Là, c'est pas possible. J'avais bien compris ma chère Arix, mais le problème c'est qu'ils veulent pas. Comme tu as pu le voir, dès que je, même quand je mets de la distance avec eux, et direct je leur mets la lumière à la tronche, ils continuent de s'approcher vers moi, donc à un moment donné je me fais attaquer quand même en fait. Puis là je fais de la merde, j'aurais dû rester là où j'étais. Les en restant face à eux sans te tourner. Ouais, facile à dire. Facile à dire à faire, par contre. Ouais, C'est peut-être moi qui ne euh, m'adapte pas au truc, hein, mais là pour le coup je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu fous Prends cette clé. D'habitude, tu arrives, arrives sans souci à prendre des clés, donc euh, fais un effort. Mais là ouais c'est un peu pénible cette histoire. Le problème c'est. Bah oui mais... Si tu sautes pas aussi. Le problème c'est que je suis obligé de me tourner. Euh, genre même... Euh, je peux pas en fait reculer. Enfin... Bon, au pire on va essayer quand même. Parce que c'est moi qui. Euh... Je crois que c'est juste moi qui m'embête à essayer de me déplacer alors que. Alors qu'en vrai, euh, oui. Euh, oui, oui, je l'ai dit tout à l'heure, Joe, qu'on va faire du TR6 après. Une fois que le DLC, ce DLC-là sera fini. Une fois qu'on on en aura fini avec Little, avec Little Nightmares, on va faire du TR6 après. Bon, cette fois, je vais mettre de la distance. Voilà, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris le gameplay, incroyable. Avec Lara Croft et Gérard Bouchard, voilà c'est ça. Pierre le barban. Janice. Est-ce pas la beauté tu vas faire sur les michetons Et puis surtout cette pute de Carvi. Je t'ai vu toi. Bon, Commence pas à m'énerver toi. Alors je sais pas s'il y en a qui vont tenter de me prendre en embuscade dans l'escalier. Oh oui, on va bien rigoler sur Terre 6 Ouais, bah je vais essayer de faire comme j'ai fait avant pour les deux derniers. Normalement, ça devrait passer. Et puis Curtis, évidemment. Bon, là, évidemment, là... Si je joue, on va dire peut-être une heure au jeu grand max, on n'arrivera jamais au moment où il y a que... Enfin, si je suis con, Curtis, on le voit dans Paris. Dans, le, dans les bas-fonds parisiens. J'allais dire, on n'ira pas jusqu'au moment où on joue avec lui. C'est normal, c'est vers la fin du jeu. Mais on le verra, si, on le verra dans le jeu. Beaux en papillon. Ah mais ça au début, euh, la première fois que tu vois ça, t'es obligé de te faire euh, « euh, Mon dieu. Et effectivement, elle euh, arrive à améliorer, à avoir plus de force juste en ouvrant, euh, en tournant la poignée d'un placard. Incroyable hein, quand même. Elle ouvre, euh, en ouvrant une armoire avec des masques à gaz dedans, elle peut réussir à sprinter. Incroyable. Hein. Et en actionnant un levier, elle peut faire euh, une course sprintée aussi. Enfin, on va dire euh, un saut euh, en faisant un sprint. Incroyable ce jeu, quand même. Ce jeu qui avait tellement de. qui aurait pu être tellement cool. Et qui malheureusement. Euh, le destin n'a pas été. Euh, voilà, n'a pas été bon pour ce jeu. Alors qu'il aurait pu. Euh, l'ambition était présente, mais hélas. c'était pas. C c ça ne s'est pas passé comme prévu, quoi. Voilà, en défonçant une porte, elle peut réussir à pousser un bloc aussi. Enfin voilà, c'est incroyable quand même ce jeu. Ah, je t'ai vu, toi. Bon. On va avancer tout comme ça, comme ça, pas de risque. Ah, le fond, le, le fond hein, encore une fois, il est incroyable. Voilà, toi, t'es tombé. Let's go. L'ambiance sonore dans ce jeu, par contre, c'est que c'est un point fort quand même. C est... C est... Ce genre de jeu, il faut impérativement jouer avec un casque. C'est vraiment mieux pour l'immersion. Petit conseil, hein, voilà. Petit tips pour ceux qui euh, voudraient jouer au jeu qui connaissent pas. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Voilà, nickel. Il en reste un ici. Deux encore. Encore Arrête de te cacher. Bon, je pense qu'à mon avis il spawn à l'infini de toute façon. Euh, faut juste que je vois l'endroit où il y a un objet à récupérer pour euh, atteindre le levier, là. C'est juste ça le souci. Ah bah ça, peut-être qu'on peut le déplacer, je suis con. Non. Tu peux pas le déplacer, t'es sérieux C'est un truc qui se trouve peut-être euh, au fond de la pièce, ou alors peut-être le tabouret qui est là, tout simplement. Enfin, la chaise, même. Bah ben voilà, <laughs> c'était juste ça. Je, 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 je m'embêtais avec, euh, avec les ombres recues, ouais, c'est ça le ce souci. Je m'embêtais à trouver un objet à déplacer dans, la, dans toute la pièce alors qu'il y avait la chaise qui m'attendait sagement là, quoi. Incroyable! Ok, donc on continue. Eh ouais non, là ils m'ont coincé dans le coin, donc là c'est pas bon. Eh c'est pas simple, hein, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Là, je pars un petit peu mieux. Oh putain, j'avais pas eu le trou. Heureusement qu'il est pas tombé. Ok. Euh, bah là, si je commence TR6 un jour, je sais pas, très honnêtement. Quand est-ce que je le reprendrai si je veux? Euh, je verrai bien, sachant qu'il faudra aussi que je, que je trouve aussi du temps pour continuer Uncharted 2. Peut-être au prochain stream de ce fait. Comme on sera on va dire entre bah, deux let's play. Euh, donc d'ailleurs peut-être que mercredi d'ailleurs mer euh, enfin, mardi ou mercredi, ça on verra. Euh, je ferai peut-être du T12. Euh, du, du Uncharted 2. <laughs> je dis Nymp. Jeudi Mais pour ETR6, euh, je sais pas, je verrai bien. Je vois, quand j'en en, aurai envie un jour, on fera. Un, euh, lors d'un stream complet ou lors d'une partie d'un stream, on continuera aussi TR6, hein, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il faut que j'ouvre ça du coup Ah bah bravo. Bravo Nils. Ah non, regardez, il y a un passage. Là. Ah, on va y aller doucement. On va descendre. Ah, c'était pas. Putain, le frérot, il peut résister à des chutes de malade mentale. Et puis là, celle-là, ça passe pas. Quoi. Euh... Oui, c'est vrai que ça pourrait être amusant euh, de voir comment je me débrouille sur le jeu. Alors ce sera pas un vrai let's play, attention. Hein. Ce sera un peu à la manière de, de Terrain et TR2 que j'avais déjà fait en stream, euh, aussi sur Twitch. Hein. Euh, ou comme les Uncharted mais euh, je considérerais pas ça comme des vrais let's play mais euh, voilà on pourra à la limite le refaire voilà le jeu en chill en, en chillant un axe quoi donc là je m'embêterai pas non plus à faire le 100% en récupérant tous les objets euh, voilà c'est vraiment pour chiller quoi c'est vraiment, euh, vraiment le but quoi donc ouais ce qui m'a fait trigger c'est que j'avais cru voir un objet mais ah non c'était pas une bouteille c'était juste le truc qui était passé du mur quoi. ok bon je pense que c'était pas vraiment comme ça qu'il fallait descendre mais au moins ça marche après c'est sûr ce sera de meilleure qualité normalement qu'il y a 4 ans. <laughs> Parce qu'à l'époque j'avais fait le let's play c'était en, en filmant directement sur la PS2. Là on sera sur émulateur. Donc forcément... Wow wow wow, wow tu te cam frérot. Donc sur émulateur ce sera forcément plus joli quand même. Ok bon on va se dépêcher de faire ça. Putain, évidemment, il y a des autres. Non, non, non. Fais pas de conneries, fais pas de conneries. Voilà. Il y un grip, cette poignée. Qu'est-ce que tu fais Il va falloir le faire en plusieurs fois, quand même. Allez. Ok, casse-toi. Voilà. Oui, bah le taser, de toute façon, t'es obligé de le récupérer, donc ça, ça va. Le taser over ça aussi, ça me fume dans ce jeu. Quoi. Le truc qui, euh, qui one-shot tous les ennemis. Euh. T'as des fusils d'assaut et tout. Non, non, c'est bon, le taser, c'est l'arme la plus puissante du jeu. T'sais. Oh putain, j'ai réussi à me faire les trois d'un coup. Nice. Euh, Arthur peut-être plus tard. Parce que Arthur en soit le let's play date il n'y a pas si longtemps que ça. Mais, euh... mais on pourra le refaire sur YouTube euh, sur Twitch un jour. Pourquoi pas, pourquoi pas les amis. On verra. <laughs> Je l'ai même pas fait exprès. mais C'était pour une bouteille. Bon bah let's go. On va la prendre. S'il y en a qui sont chauds pour me revoir sur Arthur et les Minimoys plus tard, dans le futur, sur ce jeu en live, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici, à part la bouteille Ça, il y a quelque chose à faire ou pas Ah, bah voilà Ah oh putain la galerie des saisons c'était le souffle d'Adès Quelle épreuve horrible. Et franchement pour avoir tout fait, pour avoir fait les 4 épreuves quand même d'un coup, c'est. C'était. Faut le faire quand même, pour faire les quatre sans mourir, parce que c'est vrai que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple à faire. Euh, par contre, du coup, la lampe tout à droite. Ah, c'est ça qui active la, la porte. Oh, faut y penser parce que waouh, t'as rien qui t'indique. Alors ouais, si tu regardes la, la, le support de la lampe, tu vois qu'il y a une comment dire, un, une une fausse n'importe quoi, mais il euh, a une rainure voilà qui t'indique que ça peut être abaissé, mais il faut le voir quoi. Ah t'étais méga forte hein. Quand même, euh, les vidéos que t'avais publiées à l'époque sur le jeu, t'avais avais, avais quand même assez bien géré. Hein. Du, du, du peu que je m'en souviens, t'avais quand même plutôt bien géré. On va descendre. Alors on va faire gaffe parce qu'il y a peut-être d'autres euh, ombres qui vont tenter de nous, de nous éliminer. Dernière euh, statuette. Je pense que là après avoir fait tout ça on est peut-être pas si loin que ça de la fin. Ah attention. Est-ce que c'est pas la pièce où on vint la dame dans... avec O6 dans le jeu principal, ça, ça y ressemble un peu quand même, non C'est peut-être pas ça finalement. Sachant que la dame elle se fait bouffer par o hein. <laughs> N'oublions pas aussi. Oh, putain, shit. Bah, pourquoi pas. Mais oui, mais pourquoi pas. Hein. <laughs> pourquoi pas, hein, si tu veux. Euh, on a un truc, là Non Un truc de caché Visiblement pas tellement. J'étais trop à fond pour buter les gardes du serpent rouge, je crois qu'il y en avait un qui avait fait un salto. Oui, je crois que t'en avais un qui avait. Euh, qui avait bugué, qui avait fait je ne sais quoi de très chelou. T'en as toujours un qui fait un truc de malade à chaque fois, tu t'y attends jamais. Moi dans mon let's play, je me souviens juste que j'avais réussi à descendre tout en bas de la salle en me raccrochant à un tuyau de manière random. C'était assez incroyable. Mais dans mes souvenirs, je me rappelle avoir fait ça. Oh shit. Euh... Oui, 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 j'ai vu qu'elle avait pas de, de masque. Là, on a vu juste sa gueule et était, euh, elle était tout aussi effrayante que tous les, tous les autres personnages du jeu. Euh, en même temps, son masque, techniquement, elle l'a perdu. Euh, si c'est après euh, le combat avec Six, pardon, euh, son masque, elle a peut-être pas. Bah non, je suis con parce qu'elle se fait. Elle se fait. Elle se fait kill. Mais là, c'est qu'elle a pas son masque. Donc, euh... je suis parti direct sur des théories qui n'ont aucun sens. Enfin, bref. Là pour l'instant j'avance, mais bon effectivement il y a l'autre là qui rôde, il va tenter de nous kill. On va faire un gaffe. Cette ambiance sonore pas du tout stressante, tu sais. Bon, pour l'instant on court vers la caméra. Oh, je... Calme-toi, calme-toi. Il euh, a pas une, une des portes qu'on peut ouvrir, là Il y a ici, mais je pense pas que ce soit là. Ah, regardez, le miroir, là. D'accord, on a entendu le du bruit d'une porte s'ouvrir. Est-ce que ce serait celle-là, peut-être Ah bah voilà. Ouais, bah stressant, c'est un peu l'un des maîtres de ce jeu, hein, je pense. Hein. <laughs> oh, shit non les forces du mal bon là c'est scripté hein, évidemment d'accord Ah on est devenu un un homme on est désormais un homme incroyable tous deux fous malades ouais ça l'a une tile ah bah ça c'est un faux à pire hein. ça par contre c'est clairement le genre de jeu que je ferai jamais euh, par contre j'ai un peu peur là d'avancer parce que j'ai euh... j'ai peur de tomber comme une merde bon bah je crois qu'il n'y avait pas le choix de tomber euh, incroyable, quand même, là ce qui se passe. Incroyable, incroyable. Mais ouais, ça, donne ça, c'est mort. C'est foutu. Ça. Oh non. J'ai compris. C'est le gnome qui va se faire bouffer par Six. Oh merde! <laughs> j'ai vu les hommes gouloutons, j'ai direct compris. Oh merde! Oh shit! C'est celui qui va se faire bouffer. Oh shit! J'ai compris le délire. Oh merde! Oh si, c'est ça, c'est totalement ça. Tout ça pour ça, quoi, j'ai envie de dire. La tristitude, quoi. On va faire gaffe parce que ça se trouve, on va se faire poursuivre. Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est quasi certain. Oh, il me dégoûte. Incroyable. Ouais, donc effectivement, c'est un peu avant, même. Ouais, parce que là, du coup, on revient dans les environnements du, du chapitre 4. Ah, ouais, 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 c'est. Révélation de vous, quoi. Si, c'est ça, parce que regardez, là, il y a l'ascenseur euh, que l'on emprunte pour aller au dernier chapitre à la base. Et donc là, ça va être la pièce à gauche. Ah, euh, on va dire qu'ils sont repus. <laughs> on va descendre. Ouais, c'est là, regardez, il y a la saucisse. Parce que le nom il lui tient un truc. Il lui tend un truc pour dire, tiens, parce que évidemment, il y a six qui arrivent à ce moment-là pour... Ah non, je ne peux pas le prendre finalement. D'accord aller par là peut-être du coup voilà et c'est ça c'est ça c'est totalement ça crois oh, la musique. Ils vont même pas le montrer. Ah, ils vont pas le montrer. C'est bon, ils vont le montrer ou pas? Ah non, même pas. Putain. Mais bon, on a compris quoi. Ah ouais, tout, tout ça, tout c'est des gosses cons en fait. C'est infâme, c'est totalement infâme. Voilà pourquoi Six a préféré bouffer le gnome sans savoir que c'était une âme d'enfant renfermée aussi au lieu de bouffer la saucisse. Ah oui, bah oui, parce que finalement, bah, dans le jeu, on comprend que tout ce qu'on voit, c'est oui, des enfants. Euh, au départ, c'était des gosses, effectivement. Mais euh, le gnome, du coup, pour, pour le gnome, elle savait pas, quoi. Et finalement, bah, sans s'en rendre compte, elle bouffe euh, une âme d'enfant, enfin. Ouais, c'est un gosse qui, qui est perdu, quoi. Ouais, c'est une fin pas très friendly, pas très happy. Pas très happy hein, pour le coup, mais bon. C'est sacré. attendez, ah, c'est pas totalement fini. La joie n'est pas très présente. C'est censé être quoi, C'est un teasing pour le dos ça À part euh, une ombre viteuf dans l'écran de la télé, on n'a pas, pas vu grand chose. Et bah cette fois, c'en est totalement terminé de ce Little Nightmares. On en a fini avec cette série de DLC euh, qui nous a permis effectivement bah, de comprendre encore plus les choses, hein, pour le coup, sur ce jeu. Waouh, wow, c'était spécial. J'ai bien aimé ce dernier DLC en tout cas. Je l'ai plus apprécié. Euh, ambiance délétère, tu m'étonnes Salut à toi, cher euh, Doxrain. Doxrain le bagasse. Donc euh... Donc voilà. Euh, mais c'était pas mal, j'ai bien aimé. Euh, clairement, je pense que le deuxième, le deuxième DLC, juste pour tous les problèmes qu'il y avait, ça reste celui que j'ai le moins aimé. Euh, T'inquiète pas, on va commencer TR6 si c'est vrai. Et euh, je pense en vrai que ce dernier DLC, bah, ça va clairement être le préféré de cette série. Franchement, bon, c'était bien. J'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé, sincèrement. C'était vraiment pas mal. Donc euh, ouais, dans l'ensemble, ce jeu, euh, c'est à ça qu'il est très particulier, mais j'ai quand même plutôt apprécié c'était franchement une très bonne découverte euh, je pense que du coup je peux vous le dire hein, c'est certain mais euh, oui on fera le 2 alors pas à la suite on va pas faire le 2 à la suite du premier mais le Little Nightmares 2 c'est sûr maintenant je peux vous l'annoncer on le fera en let's play aussi euh, donc le 2 de ce que j'ai de ce qu'on m'avait dit c'est un préquel du 1 par contre euh, je crois que c'était toi Rémi qui me l'avait dit euh, le 2 donc se passe avant le 1 et c'est Là encore une fois, je ne sais absolument rien de ce jeu. Ce sera une totale découverte quand on... le jour où on le fera. Euh, évidemment, ce sera que pour beaucoup plus tard. Je vous rappelle que le prochain Let's Play, hein, euh, je le redis pour vous, évidemment sur YouTube qui regardez cette VOD, on fera enfin la version PlayStation 2 de Harry Potter et la chambre des secrets. Euh, let's play que j'aurais dû faire il y a un an et demi, mais euh, là ça y est, maintenant que j'ai un PC qui me permet de faire tourner les, euh, les jeux sur émulateur PS2 de manière euh, optimale, euh, on va pouvoir enfin s'attaquer à ce jeu là. Donc ce sera pour le prochain let's play de ce fait. Euh, donc voilà, bah franchement, euh, non, je, je vous conseille ce jeu pour ceux qui euh, ne connaisseraient pas et qui ont. Euh, voilà, si vous avez vu, bah, je vous conseille d'y jouer par vous-même parce que franchement ça vaut plutôt le coup. Euh, cela dit, faites comme moi, attendez que le jeu soit en promo. Moi perso, j'ai eu la version Deluxe pour euh, pas très cher. Je sais plus combien j'avais payé, peut-être 8 euros, je crois. Euh, mais ça vaut le coup de prendre aussi les DLC, pas juste le jeu, parce que si vous prenez que le jeu de base, vous prenez, vous n'allez pas tout finalement comprendre, en fait. Les DLC vaut vraiment le coup d'être fait. Donc, euh, si vous deviez le faire, ce jeu, euh, prenez la version de luxe. Prenez la version de luxe, attendez qu'elle soit en promo, ça vaut, vous arrivera à vous en sortir pour euh, pas trop cher. Et franchement, ça vaut le coup, sincèrement. Enfin, Et la fin du 2 te mettra beaucoup plus sur le cul. Eh bah, ben, écoute. Euh, on verra bientôt. Et oui, bah j'avais un PC, mais clairement pas assez puissant pour euh, faire tourner des jeux PS2 quoi. J'avais réussi à l'époque pour euh, La Chambre des Secrets, euh, pour Harry Potter à l'école des sorciers, mais celui-là c'était vraiment par chance que j'avais pu faire le display à l'époque sur celui-là. Là, bah, là euh, maintenant que j'ai un PC euh, du tonnerre de Dieu, on va pouvoir se le faire. Le deuxième opus. Bon, bah j'espère sincèrement les amis que vous aurez apprécié ce let's play. N'hésitez pas à dire éventuellement en commentaire ce que vous, avez, euh, ce que vous en avez pensé aussi, euh, aussi de ce jeu. Et puis, euh, puis voilà, merci à vous la team YouTube d'avoir suivi. Et puis on se retrouve du coup euh, très bientôt pour euh, un nouveau let's play de ce fait. Et puis bah, si vous voulez tout suivre en live, n'oubliez hein, pas que vous avez le lien de la chaîne Twitch qui est dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller et à follow la chaîne encore une fois. On n'est plus très loin en plus de l'affiliation. La, de Donc euh, ce sera seulement grâce à vous que je parviendrai à accomplir cet objectif. Donc vraiment n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao